pour souvenir dans les gâteaux, dans les médias. Je pliais de côté, bien bien, sur la ligne de la diagonale. Remarquez-vous bien, je mets le plus juste possible, bien bien superposé. Donc, je plie l'autre côté aussi. Le pliage, ça répète toujours la symétrie. Comme nous, si je coupe mon corps en deux, nous obtiendrons la main droite, la jambe, les oreilles, les yeux, etc. Et bien sûr, je retourne la figure, je plie en deux. Et je ressors les ailes d'abord. Il suffit d'avoir quelques plis, vous allez voir. C'est génial. Ah, à partir de ce base-là, vous pouvez plier mille et une choses différentes selon votre imagination. Si je fais les oiseaux comme la colombe, ça doit être les deux ailes déjà. Oui. Ou j'ai envie de faire un canard, peut-être c'est devient les deux pattes courtes. Et ces deux points-là deviennent le corps, l'autre point, c'est la tête et le bec. Maintenant, je rentre caché les deux ailes à l'intérieur. En ce moment-là, j'essaie de rester l'aile droite d'abord. L'aile droite d'abord. Et l'aile gauche après. Ah, vous voyez, c'est comme une couronne. Et l'une des branches ici, c'est de bien le cou, la tête et le bec. Le cou déjà, oui. Je plie la moitié pour former la tête ici. Et tout ce qui nous reste, je replie vers l'extérieur pour former le bec. Ça nous fait ça déjà. Oh là là. Et bien sûr, l'autre côté, c'est la tête. Et ma colonne presque vivant. Et je bloque ce qui est ici. Et j'invite Monsieur le maire de participer en me tendant une poignée, une poignée de graines, afin que ma colonne puisse déguster. Mais attention, c'est très écologique, sans panneaux solaires, ni pétrole. Et mais, si vous faites un peu attention, on entend même le battement de son cœur. Merci. Très bien. Et une bonne visite. Et je vous souhaite une bonne fête de la fin d'année. Thank you.